La multiplicité des candidatures est une source d'enrichissement. J'ai l'habitude de dire qu'en politique, je ne crois pas en l'unicité. L'unicité est réservée à la religion, à Dieu. Mais en politique, je crois plutôt en l'unité dans la diversité. Et c'est comme ça que nous pourrons mobiliser l'électorat au premier tour, puisque je rappelle que c'est une élection à deux tours. Donc le premier tour doit permettre de mobiliser tout l'électorat hostile au camp du pouvoir, afin de l'amener au second tour et donc de le battre. Abdoulaye ne peut pas passer dès le premier tour en 2012, puisque son parti a été déstructuré depuis plusieurs années. Il a connu des départs massifs et cela a été constaté et consacré lors des élections locales, où il a perdu les régions les plus importantes du Sénégal, dont la région de Dakar et la région de Thiès, la région du Sine et Saloum. Donc c'est plus de 60 à 65% de l'électorat aujourd'hui qu'il a perdu. Donc je ne vois pas par quelle alchimie et par quel mécanisme il peut passer en 2012 au premier tour. La valeur d'un parti n'est pas corrélable à son âge. Il est vrai que par les âges, des partis peuvent consolider des positions. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase de reconstitution politique. Puisqu'il y a des générations qui vont sortir, d'autres qui vont arriver et d'autres qui vont se repositionner. Donc l'électorat fera ce choix en fonction de ce contexte de recomposition politique. Et déjà, notre parti maîtrise un certain nombre de terroirs, ce qui n'est pas le cas de tous. Il y a des départements aujourd'hui que je peux vous dire qui sont sous contrôle aujourd'hui de l'Alliance pour la République et des pays entiers où nous avons une forte colonie. Vous voyez donc que la présence ou la victoire ne dépend pas de l'âge des partis, sinon même le PDS ne serait pas là, puisqu'il y a des partis beaucoup plus vieux que lui sur l'échiquier politique. C'est à eux de donner la preuve aux Sénégalais qu'ils peuvent décider en toute indépendance. Moi, je ne peux pas préjuger de ce qu'ils feront. Ce que je sais, par contre, c'est qu'ils sont conscients de l'impact de la décision qu'ils prendront. Aujourd'hui, avant même leur décision, le pays s'est prononcé. Le président Ouad a été élu en 2000, réélu en 2007. Il a fait ses deux mandats. Donc, il ne peut pas envisager une troisième candidature, un troisième mandat, dans le cadre de la constitution actuelle du Sénégal. Alors, si maintenant le Conseil, malgré tout cela, venait à accepter sa candidature, je pense qu'il contribuerait à créer les conditions d'une déstabilisation de notre pays. Évidemment, pour qu'on n'en arrête pas là, pour que le Conseil lui-même ne soit pas mis dos au mur, que le président lui-même sache raison garder, qu'il finisse son mandat le 26 février et qu'il passe le témoin. Qu'il cherche un candidat dans son camp, il lui est loisible, et qu'il sorte par la grande porte.